soit en purée. Bon là pour l'instant je peux rien prendre, c'est vrai. Bonjour madame. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Merci Codsworth. Bien sûr madame. Ah, il y a un truc de Grognak. Grognak le barbare dans la jungle des bébés vampires. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà ici? Ah, il s'appelle Nate. Regarde-toi. D'accord. Comment un type comme moi a pu avoir autant de chance? Je sais pas, tiens. C'est une bonne question. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chaude. On était un peu hésitant au début, mais je suis content d'avoir pris Codsworth. Ouais, ou sinon le launcher, c'est vrai, en passant juste par le launcher, ça passe. Personne pense à... C'est ton anniversaire? Mais je vous ai anniversaire. Mais moi, je sais pas que c'est ton anniversaire. Mon cœur. J'ai l'air nerveux. Dis-moi, j'ai l'air nerveux, hein. J'espère que le café est à votre goût, madame. Codsworth. Je passerai l'aspirateur plus tard. Par contre, elle a pas du tout le corps, les mains et tout qui sont ridés comme la tête, quoi. Bordel, c'est quoi déjà qu'il faut faire pour... Ah voilà, ça y est. Bonjour. Société Voltec. Ne le prenez pas mal, mais cessez de nous importuner. Non, non, madame. Pas d'inquiétude. Je ne vends rien du tout. Pas aujourd'hui. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. J'ai pas vraiment envie de vous parler. Oh, vous devriez, mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, oui, bon, sans une connaît. Place vous a été... L'abrisson. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne prendra qu'un instant. Nous devons faire quelques vérifications pour nous assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. L'apocalypse? Eh ben, je signe tout de suite. Ça, ça me plaît. Alors, voyons... C'est quoi le principe du perso? Pas mourir. C'est une bonne chose. En sachant que là, je suis en survie. Hein. J'ai passé le truc en survie. Alors, comment elle s'appelle? Eh bien, c'est maintenant qu'on choisit. Et voilà. Alors, en attendant, donc... Donc, pour l'instant, ça sera Mamie. Voilà, Mamie. Donc, de la force. Alors, c'est là où il faut penser, en fait, déjà aux compétences. Parce que par exemple, la force, il faut 3 minimum, juste pour avoir la perks armurier, pour pouvoir se faire des armures un petit peu mieux. L'intelligence, il faut avoir 3 pour le fanat d'armes. Le charisme. Alors attendez, la perception. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Alors attendez, parce que j'ai le truc à côté. C'est là où en fait il faut calculer. Et on va encore passer 3 heures. Et ça, ça va être bien. Et ça, je suis. Ça, c'est rien que pour vous. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Voilà, le charisme, on peut avoir le loup solitaire pour si on veut faire des trucs tout seul. En sachant que par exemple pour... Ah oui, si, très important, en perception il faut mettre 4 juste pour avoir la perk lockpicking, enfin le fait de pouvoir crocheter. Un lien, oui, oui, bien sûr, normalement, alors attends, je vais quand même te le faire.
Ah, ça marche plus? Ouais, non, en fait, j'ai dû désactiver le lien. Donc, c'est bon, tu peux y aller, tu peux me poster un lien si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, oui. L'endurance, qui est bien à 3, c'est qu'on a le. Je sais plus comment ça s'appelle en français, là, j'ai que les trucs en anglais. Donc, ça s'appelle Life Giver, mais en gros, ça permet d'augmenter son maximum de vie. Ce qui est cool. Donc, je pense que l'endurance à 3, c'est une bonne idée. Donc, ça me paraît être le truc de base dont on va avoir besoin. Ça me paraît être plus qu'utile. Alors, après, l'intelligence, ça détermine aussi le nombre de points qu'on gagne, d'expérience qu'on gagne. Donc, au plus on en a, au plus on prendra des niveaux rapidement. Le charisme, alors voilà, moi j'aurais bien aimé faire un perso basé sur le charisme pour avoir plus de choix dans les dialogues. Donc après c'est voilà, c'est là où il va falloir faire des choix. Grosso modo, parce que même par exemple en charisme, j'aimerais bien atteindre le niveau 6 pour avoir le chef, enfin le leader, et pouvoir avoir des trucs un petit peu mieux avec les camps. Voilà. Bonsoir Yirmir, bienvenue à toi. Donc par exemple, l'intelligence, je la mettrais bien à 6. Voyez-vous. En tout cas, il reste 12 points, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Il n'y a rien pour l'instant en agilité. Hein. Pour l'instant en agilité, j'ai que dalle. Je sais, Yermir, je sais, je sais. C'est par contre, ça permet de passer plus facilement les dialogues. Et surtout, il y a des perks liés au charisme que j'aimerais bien avoir. La question étant aussi, est-ce que Mamie reste toute seule ou juste avec son chien? Parce que du coup, la perks, enfin, le loup solitaire, c'est quand même grave utile. Voilà, après, c'est ça aussi, c'est qu'en début de partie, je pense pas que ça serve à grand-chose le chef local. Donc ça, les 6 points en charisme, ça serait plus pour passer des dialogues, mais bon. Bien que certains dialogues permettent de passer des combats, donc ça peut être utile aussi du charisme. Je pense que charisme 3, on va tester. Donc ça serait pour avoir science, pour pouvoir éventuellement passer des minces, des terminaux plus facilement. Après la chance, bon, la chance, il y a des trucs bien, par exemple le Bloody Mess, pour faire 5% de dommages en plus, au début en tout cas, après on va pas avoir plus. Il y a quelques trucs pas trop mal, ça se base surtout sur les critiques, mais en début de partie, je suis pas sûr que ça soit. Par exemple, aussi dans l'agilité, au rang 5, on a le Action Boy qui permet de régénérer les points d'action beaucoup plus vite. Ça pourrait être pas mal, quoi. Ça pourrait faire un truc comme. En sachant aussi que dès qu'on va sortir, on va avoir le livre spécial qui va nous permettre de prendre un point de plus. Ben, je l'ai, en fait, là, pour crafter les armures, j'ai mis le minimum, c'est-à-dire 3. Voilà. 3, c'est le minimum pour pouvoir crafter les armures. Donc, ça me paraît pas mal. Plus, je ne suis pas sûr que ça me serve à grand-chose. La force, après, ça sert juste à apporter plus de poids. Et les attaques au corps à corps, bon.
Ah oui, si j'avais visé Shroud, j'aurais visé 20 dans toutes les caractéristiques. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Après, c'est sûr que perception, agilité, par exemple, agilité pour avoir un petit peu plus de fufu, ce serait pas mal. La perception pour la précision en SVAV. L'endurance, c'est bien pour les points de vie. Ah, Rad Resistant, j'avoue. Early, pourquoi? Pour les radiations, pour autre chose. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien dans l'intelligence, c'est le nombre de points d'expérience. Donc, a priori, on devrait gagner des niveaux un poil plus vite. Normalement. Et l'agilité pour les points d'action SVAV. Bon, en sachant qu'après, à terme, on devrait pouvoir augmenter les stats manuellement. Ouais, pour tout. Bah ouais. Après, voilà, quand au bout d'un moment, t'as mis des points de partout, effectivement, c'est beaucoup mieux. Je pense que l'agilité à 3, c'est quand même pas mal. Un perso équilibré mais intelligent. Ouais. Ouais, de toute façon, après, il faut augmenter son spécial, hein. Mais 4 partout, 4 en force, je vois pas à quoi ça me servirait. Après, les autres 4 en charisme, ouais. L'intelligence, ouais, ça me paraît important dans le sens où ça joue sur sur l'XP, la chance. Ouais, la chance. Soit vitesse de recharge des coups critiques, ouais, bon, éventuellement.
Là, on pourrait avoir 5 en perception, endurance et agilité, 6 en intelligence. Ou alors 6 en perception, 6 en agilité. Tu joues en quelle difficulté au Fate Ymir? Juste pour savoir, hein, c'est. La survie. Ouais, d'accord. Bon, on va partir comme ça. De toute façon, j'aurai le choix de Formidable. refaire Je après, crois donc que c'est bon. tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être Ah oui, il tranquille. s'appelle Mamie pour l'instant. Il faut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Hey, Cotsworth. Vas-y, j'arrive dans une seconde pour t'aider, d'accord? Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de sa mère, c'est normal. Mon garçon, n'embête pas sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. C'est ça, aller au parc, avec toi. Comme si j'avais envie de retomber enceinte. Oh bah normalement, vu l'âge. Messieurs, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Damien, au revoir, gueuler, on représente après. Et maintenant, attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. On Quoi? m'indique que nous avons Qu'est-ce perdu le qu'il a dit? contact avec nos autres studios. Oh Des non. sources sûres nous confirment que... Oui? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y! Habitants de Sanctuary Hills, si vous Poussez-vous, bande de cons! rendez-vous immédiatement à l'abri. Casse-toi, salope! Laisse-moi passer! C'est vrai que c'est quand même plus joli comme ça, hein, avec toutes les couleurs. On n'a pas le temps! Aide-moi à tout faire rentrer! Une vieille grenichon. T'es qu'elle est laide. C'est moi, Voltaïque. Vous ne si rentrez je pas. Rentre, vous ne m'arrêterez pas. Du calme. J'irai porter plainte. Ouais, c'est ça, ouais. Inscrit avancé. Sinon, rentrez chez vous. Laissez-moi entrer. On est sur la liste. Enfant. Femme adulte. Femme adulte. C'est bon. Merci. Bonne chance, monsieur. Dieu en même nous temps, permet. L'autre, il s'était déporté pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. On s'en branle. Allez, dépêchez-vous. Poussez-vous, je veux ma place. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Allez, dépêche-toi, toi. On y est presque. Sean va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. Oh vite, vite, descendez tout de suite. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. Mamie. Aidez-moi. Ah, ça serait pas mal, Grimace, effectivement. Bonsoir, French Speed, bienvenue.
On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Allez. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, n'y pensez plus. Vous tous. Vous êtes en sécurité. Merci d'avancer en ordre. Par ici. Nous souhaitons la bienvenue à tous les hommes avec enfants. C'est bon. Par ici. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Le taux est en faux. Une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Là-bas. Et maintenant, suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois, eh ben allez, vas-y. Par ici, s'il vous plaît. C'est notre nouvelle maison. Vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Homme, les niveaux sont bons. On a tout perdu. Comment elle roule du cul quand même. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça. Gueule de mamie avec la radiation en plus. J'avoue. Je coche. Ah bah cool Théo, bah ouais, profite. GG crack, encore une victoire. Pas vrai? Qu'il est bon ce crack. J'espère que vous vous ferez à votre. S'appelle pas crack pour rien. Putain, mais mamie ghoul, ça serait trop bien. Est-ce que la perks ghoul, ça fait. Ça change le. Ça va aller. Est-ce que ça. Ouais, ça change l'apparence du perso. Est-ce qu'on devient une ghoul? Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Je me détends si je veux. On lui a toujours pas trouvé un perso, mine de. Un nom à ce perso, mine de rien. Je vais être invisible pour les ghouls, c'est cool. Procédure terminée. Ouais, t'as pas vu la différence, ok. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, peut-être au cours de... Je sais pas, je me demandais, parce qu'effectivement, mamie ghoul, ça serait rigolo. C'est moi ou c'est beaucoup plus flou que ce que c'est que ce que j'avais l'impression. Ne vous inquiétez pas, je vois bien. Par rapport à l'autre. Ça me paraît très flou en fait. Je m'occupe de lui. Lâchez-le. Je ne le répéterai pas. Je ne vous demande pas de chose. Emmène le gamin aux enfants. Au moins. Jessica Ghoul. C'est clair, les mecs qui ont... Oui, oui. Ah oui, oui, tu t'es fait chier à faire les deux personnages. Au bout de 5 minutes de jeu, paf, le deuxième, il est clamsé. C'est propre, je trouve. C'est très, très propre. La dégâts. Eh, quand même, mamie, elle est bien roulée, hein. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. De la station. Allez, allez, allez. Et je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. On peut rien faire d'autre.
Oh là là, mamie, oula. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant demain. Alors attendez, que je me gourre pas. Voilà. Matraque objet équipé. Non, parce que là, donc je vous rappelle, on est en survie. Donc si ça se trouve, je vais crever directement. Genre zéro embrouille. Ouais, comme Grima, je pense que c'est les deux. Mais oui, en fait, là, je crois que c'est dans ce terminal où ils expliquent que, en fait, ça s'est bien passé. Les gens n'ont même pas cherché à résister ou quoi. Ils ont, il y avait pas de soucis, quoi. Ils y sont allés de bon cœur, en fait. Alors que, bon. Ils pensaient pas que les gens ne résisteraient. Enfin, ils pensaient que les gens résisteraient, mais dans la panique, en fait, ça s'est bien passé. Ok, bon, ça va, on one-shot quand même les rats de cafards. Ça va, c'est bon. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Je crois qu'il n'y a rien ici. Il y a encore un terminal ici? Terminal de loisirs. Est-ce que je l'avais regardé celui-ci? Mamie matraque, mamie vilaine. Pour l'instant, ah, note du superviseur. Ah oui, ben oui, je l'avais vu parce que j'avais, oui, j'avais sorti la. Ah merde. Voilà, sortir la bande. Voilà, j'ai récupéré le jeu. J'ai récupéré le jeu. Voilà, double one shot, tout va bien. Tout va bien. Ah, je me suis fait toucher, je crois. Oh non, ça va, ça va. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Ben non, j'ai pas Blitz. Je peux pas avoir Blitz, voyons. Quelle question. Ok. J'ai une arme digne de ce nom. Ah oui, ici. Ah, des lunettes! Tiens, mamie avec des lunettes. Ah oui, mais on peut pas encore équiper, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié, on peut pas encore équiper des objets.
Bon, mamie va peut-être picoler. Hein. Des cartouches. Je pense que je vais en avoir besoin à un moment ou à un autre. Ah, le fameux Cryolator. Le fameux Cryolator. J'ai peut-être pas besoin de deux armes. Voilà. Hein. Non, je pense pas qu'ils étaient au courant qu'ils allaient être recongelés. Hein. Ah, mais quand même, merci. Et donc là, on ne sait pas pourquoi la porte s'est ouverte. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? C'est tout ce qu'il reste? Non mais oh. Oui oui, c'est la nouvelle maison parce que c'est... Voilà. C'était censé être... Ah, le Pip-Boy, allons-y. Ça tourne quand même sur 64K de RAM. Ok. Voilà, là on est bien. Le tableau d'aptitude. Ah ben voilà, du coup, là je vais pouvoir voir ce que j'ai. Donc on a Veuve Noire, évidemment. Suivez-moi dans mon boudoir. Ça pourrait être pas mal. Pour augmenter les dégâts contre les hommes. Donc, le nomade solitaire, ça pourrait être pas mal. Donc, ce que je vais faire là, à mon avis... Ah, je peux pas encore sauvegarder? Ah, si, voilà. Nouvelle sauvegarde. 1h43. Je vais faire une sauvegarde ici. Comme ça, si on veut modifier quelque chose... Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Sinon, quoi d'autre dans l'inventaire? Le flingue en 2 et ça en 1. Voilà. Et le soin, le steam pack. Pourquoi j'ai utilisé un putain de steam pack? Fais chier. Ah oui, d'accord. Ah oui, il sauvegarde, d'accord. Il sauvegarde en fait ici. D'accord, c'est autant pour moi. Ouais, ouais, chaque abri a une expérience différente, exactement. Ouais. Ouais, pareil, Crackbull, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est ce que j'ai vu aussi pour l'instant. Donc, on y retourne. Hop. Hop. Et le Steam Pack. Putain,
C'est con qu'on puisse pas changer ces raccourcis-là. Parce que je trouve que le Steampack en 0, c'est quand même un petit peu mal foutu, mais bon. Ça restera là où c'est. Le rat de cafard, ok. Donc on va renommer notre perso quand même parce que voilà. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Donc c'est plutôt là que je vais sauvegarder en fait. Voilà. Alors. Changer de nom d'attribut spécial. Oui, alors. Mamie. Mamie Brossard. Et la femme c'est Mamie. Mamie Brossard, j'avoue, il y avait Mamie Nova, évidemment. Ah, une petite cougar, hein, évidemment. Donc oui, évidemment, Mamie Brossard. Mamie Nova, donc, Mamie Traillette, évidemment, aussi. Après, on peut lui trouver un nom de vieille, hein, je sais pas, moi. Pimpreline. Flanchion. Voilà. C'est un nom de vieux, évidemment. Pimpreline Flanchion. Mamie de pain, très très jolie. Super mamie. Bon après, si c'est une mamie badass, on pourrait trouver un petit truc, je sais pas moi. Mamie Connor ou mamie connasse aussi. Vieille peau. Mamie vieille peau. Mamie Rador, évidemment. Ma miniature. Ma mignonnette, aussi. Ma migale. Ma mystère. Ma minable. Ma mirage. Claude Égouline. Ma microbe, très très bien, ma microbe. Mamie Jauré, bon, Jeanne Calment, pas mal aussi.
En même temps, 200 ans, 200, plus de 2 siècles d'existence, évidemment. Ah, Henriette Hardy. Mamixomatose, pas mal, pas mal. Johnny Hallyday, pourquoi pas. alors oui, c'est là aussi on décide si on relocalise certains points. Vous pouvez me dire hein, si vous trouvez que c'est pas mal ou s'il y a des trucs que vous pensez que je peux modifier. Je ne sais pas. Pendant que nous cherchons un bon nom. Bah oui, il y a ma mitraillette, quoi, voilà. Mido l'avait proposé. Et bonsoir Dark Snake, ça va bien, merci, ça va bien, j'espère que toi aussi. Vieille connasse. Vieille peau. Mamie vieille peau. Henriette vieille peau. Tati Daniel aussi, ça aurait pu marcher. Mamie Daniel. Jeanne au secours. Mon dieu. Ah oui, la perks pour avoir plus de munitions, c'est vrai. Mais ça doit être pas très loin de ces deux niveaux. C'est quoi pour la chance? C'est niveau 2. Oh, c'est pas, même si on a que, ouais, on peut mettre à la limite un point de plus en chance, mais là, c'est pas très compliqué à avoir, en fait. On est juste à deux niveaux de l'avoir, même il le fait, mon dieu. Micheline Tartiflette. Ah non, mais j'avoue, Jeanne au secours. Jeanne d'Arc, hein, Jeanne Michel d'Arc. Non, Jeanne Micheline d'Arc. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est ton anniversaire, Toundra. T'as raison. Oh, Black Mins, oh mon dieu. Mamie Black Mins. Allez, vas-y, Toundra. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu qu'elle s'appelle? J'admirerais Mathieu Dark. On cherche un nom de perso pour ce personnage-là dans Fallout 4, en sachant qu'elle est vieille. Mamie Mintz. Mamie Mintz. Mintz. Non mais oui, c'est vrai que c'est l'anniversaire de Toundra, alors tu as le droit de choisir Toundra. Mamintz. Ah, Mamie, c'est pas mal, j'avoue. Ah, ça fait beaucoup de noms, hein. Ça fait beaucoup de noms quand même. Mais Toundra, bah il est peut-être pas, il doit faire quelque chose à côté, je suppose. Je mettrais bien 7 en intelligence quand même. Enlever en agilité et remettre un en intelligence pour avoir un petit peu plus de... Mais bon, 6 c'est déjà pas mal quand même. Trop d'émotions, c'est ça. Appelle-la Liliane Colette. Je te fais un don avant Noël.
Liliane Colette. Ah ouais, non mais attendez, moi je fais pas des trucs pour des dons quand même. Mais pourquoi Liliane Colette? Ça va te faire rire d'entendre le prénom de ta mère au cœur de ce stream. C'est vrai, c'est pas mal, Crackboule. Bien tenté. Bien tenté. Elle déteste son deuxième prénom, d'accord? Ah là là, c'est... Je sais pas, comme vous voulez. Tentative de corruption, tout à fait. Moi, je ne sais, il y a trop de propositions, je ne sais plus, je suis perdu. On peut Stropole? Ah bah, alors bah à la limite, je peux. Ouais, je vais créer un Stropole, allez. Alors, je mets quoi? Comme. Qu'est-ce que vous voulez que je mette comme question? Comment. Ah oui, comme réponse. Comment va s'appeler. Mamie. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je mette comme proposition? C'est ça, Grimace, tout à fait. Tout à fait. Alors, mamie dans le cul. Alors attendez, je vais mettre ma mitraillette, j'aime beaucoup, ma mitraillette, donc Mamins. Alors est-ce qu'on met un prénom à Mamins, genre Mamins Black ou Black Mamins, un truc, Black Mamins, Black Mamins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Liliane Colette, allons-y. Jessica Ghoul. Oh oui, Black Mamins. Ah putain, j'ai un nom de perso, mais si je refais un perso homme, autant je l'appellerai Roger Mabit. Mais bon, ça c'est bien évidemment pas encore pour maintenant. 10€ pour les votants, Liliane Colette. Alors je vais mettre le multiple choice. Hein. Voilà, donc vous pourrez voter pour plusieurs choix. Ça permettra de départager peut-être plus facilement. Démocratie propre, mais tout à fait, Grimace, tout à fait. De toute façon, comme d'habitude, hein. Avec moi la démocratie, vous savez, je vous demande votre avis et à la fin je décide tout seul. Retoundra, ah ben voilà, tu vois, on disait. Alors que l'avenir du stream est en jeu, mais tout à fait. Toundra, c'est ton anniversaire. Alors là, on était en train de faire un Stropole pour le nom de mamie. Mais est-ce que tu as, comme c'est ton anniversaire, comment voudrais-tu voir ce perso appelé en sachant qu'on en a balancé quelques-uns entre-temps, notamment un petit Black Mamins. Pas dégueulasse. Tout n'a fait pas le con. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre comme nom? Ah, Mamie de Pain, j'aime beaucoup Mamie de Pain. Mamie de pain. C'est pareil. Et après, on avait quoi? On avait Henriette.
Henriette Hardy. Ah oui, voilà. Allez, je vais en prendre un dernier. Si Tundra m'entend, je sais pas. Une proposition, Tundra, ce que tu veux. Oui, Colette est le prénom. J'avais. C'est son deuxième prénom, je suppose. Voilà, une proposition de Tundra et on lance l'Ostropole. Ah, Mamie Lucienne. Ah oui, Mamie Lucienne. Ah oui, c'est mieux que... Ah oui, Mamie Lucienne. Surtout qu'en plus, je pense que ce personnage-là va être plus centré sur les miliciens que Darty. Pour le coup. Mamie Lucienne. Ah ouais. Mamie Lucienne. C'est très bien ça. A-t-on reperdu Tundra malheureusement? J'ai l'impression qu'on a reperdu Tundra encore une fois. Germaine Frigidette. Frigidette ou Frigidette? Germaine Frigidette. Mamie Lisse. Ah oui, Mamie Lisse, très bien, Mamie Lisse. Mamie Lucienne, je vais mettre entre parenthèses. Mamie Lucienne, ouais, Mamie Lucienne, Mamie Lisse. Mamie Lisse, voilà. Effectivement. Allez, hop. Il y a 8 choix, c'est parfait. Hop. Alors, je vous rappelle, évidemment, que les choix sont multiples et que donc vous pouvez voter pour plusieurs noms et c'est peut-être mieux parce que du coup ça va peut-être permettre de départager. Hein. Voilà. N'hésitez pas à voter pour plusieurs. Et on va voir ce qui en ressort. Ah, donc je vais voter moi aussi et bien évidemment. Votez Mins. Votez Mins. Alors, où on en est? Eh bien, Mamie Traillette et Black Mamins sont en tête. Alors, attendez, évidemment, il faut que les gens le voient. Parce que sinon, ça va gueuler. Donc, évidemment, le straw poll. Hop. Voilà où nous en sommes. Donc pour l'instant, Mamie Traillette qui est passée devant Black Mamins. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Ben oui, évidemment, Grimace, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Jeannelle est où? Ah, mais oui, Jeannelle est où? Elle est où, Jeanne? Ah ouais, putain, c'est dommage, hein.
Mamie Min, s'il please remonte. Ah là là, Mamie Traillette, hein. C'est naze la démo. Et je suis tout à fait d'accord, Gamaz. De toute façon, là en fait, si ça se trouve, je vais même pas tenir compte, je vais prendre Black Mamie, et puis voilà, et puis la démocratie, bon ben voilà. Non mais bon. Mamie Traillette est en tête. Par contre, il y a eu changement. Quelqu'un d'autre a voté. Bon, Henri est tardi, tout le monde s'en fout. C'est vrai que du coup, ça manque de Jeanne et Léo. J'avoue. Jeanne et Léo. Ah non, 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 attends, non, 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 tu... Jeanne, elle est... Ah, ça vote Jeanne, alors il faut refaire un Stropol avec Jeanne, elle est où? Il est où mon café, Jeanne? Oh, chiotte mine, ça. Bon, attendez. Je sais comment on va départager ça, évidemment. Je sais comment on va départager ça. Attendez. C'est super important. Voilà, hop, create poll, pouf, hop, voilà, et démerdez-vous. Voilà. On joue le pseudo à la biscotte. Non, mais vous allez voir, la démocratie, les gens, la démocratie, c'est super important. Alors, attendez, mieux, non mais attendez, mieux en fait. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Évidemment. Ça va faire un truc comme ça, hop, on va faire ça au pif. Hop, pouf. Voilà, c'est découpé à la serpe. Vote anonyme, évidemment. Oh là là, mon Dieu. Jeanne, sauve-nous. Merde. Bon, je crois que Jeanne et Léou l'emportent. Hein. Je crois que Jeanne et Léou... Ah oui, c'est vrai que... Ouais, en même temps, Crackboule... Hein, toi, t'auras la tante, nous, on aura la nièce. Hein. Voilà, grosso modo. Enfin bon, bref. ah là là, Black Mamins qui malheureusement est vaincu. Black Mamins est vaincu. C'est terrible. Donc oui. Donc oui. Oui, oui, elle s'appellera Jeanne. Elle est où? Elle est où, Jeanne? Donc voilà, c'est cool. C'est super cool quand même. C'est cool la démocratie. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. La démocratie, c'est quand même super cool.
Donc, Janelle Wu pour les... pour les compétences, écoutez... Ouais, c'est de mon côté, ouais, Kragoul, c'est de mon côté. Malheureusement. Ah bah oui, Grimace. Au moins elle est moins moche. ouais, mais bon, quand même, hein. Même si elle est moins moche.